Bonjour et bienvenue à Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est le seul unique show sur YouTube où est-ce qu'on réagit, on fait des réactions et puis on analyse des vidéos de musique. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais comme contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que de cliquer la petite clochette. Et aussi, j'ai une page Patreon si vous voulez que je fasse une demande spéciale. Tu sais, c'est le fun de voir des gens analyser de la musique qu'on aime. Ça a l'air niaiseux un peu de même à dire, mais c'est ça des réactions. Moi-même, des fois, je vais écouter, disons, un band que j'aime, ou une tune que j'aime, ou un nouveau single qui sort, whatever. Bon, ben moi, ce que j'aime, c'est je vais regarder des réactions et des gens qui vont regarder la musique pour moi. Fait que c'est un peu ça que je fais, c'est que j'analyse la musique que vous aimez à travers mes yeux, puis à travers ma façon de voir. Et puis, aujourd'hui, on reste en Amérique, on s'en va aux États-Unis. On va regarder le nouveau clip de Lizzie Borden. Et oui, Lizzie Borden, c'est un groupe américain qui existe depuis la mi-des années 80, au début des années 90. Même leur formation date de 1983. Donc, c'est des vieux de la vieille, mais en même temps, Lizzie Borden a toujours été un groupe underground, mais aussi un groupe stable, dans le sens que je pense qu'il n'y a pas un mauvais album de Lizzie Borden. Du premier album au dernier album, toutes les singles, toutes les tunes, il n'y a pas une tune de mauvaise, je pense, de Lizzie Borden. Ça fait des années que je suis Lizzie Borden, et puis j'ai tout le temps aimé ce band-là. L'album Love You To Pizza, c'est un classique, Menace To Society, Visualize, je l'ai-tu écouté cet album-là? C'est Master Of This Guy aussi, c'était excellent. Et puis My Midnight Thing aussi, comme là, c'est un tout nouveau vidéo justement qui est sorti cette semaine. Ça se nomme My Midnight Thing. C'est tiré de l'album 2018 My Midnight Thing. C'est un peu ça. Là. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Lizzie Borden, ils font du heavy metal hard rock traditionnel, mais avec un look shock rock. Donc un peu à la Alice Cooper si vous préférez. Et puis Lizzie Borden joue un personnage. C'est le chanteur, c'est le nom du groupe, c'est le nom du chanteur aussi. Et puis Lizzie Borden, c'est dans le fond, c'est une fille dans les années du temps qui a tué genre ses parents à coups de hache. Fait que c'est un peu ça. Puis le concept est un peu autour de ça. Et puis Lizzie Borden était reconnue dans les années 80 puis 90 pour faire des shows hallucinants, là, tu sais, puis très visuels. Donc, on va jeter un œil là-dessus. J'ai bien hâte de voir comment ça sonne, la nouvelle chanson. J'ai même déjà vu live Lizzie Borden au 70,000 Tons of Metal sur un bateau de croisière. C'est une croisière heavy metal, puis Lizzie Borden était là. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça, parce que même en concert, c'est excellent. Puis en concert, Lizzie Borden, la voix de Lizzie Borden, pas sa voix, mais comment je pourrais dire, il est intégral. Il me fait penser à Blackie Lawless ou à Wasp. Wasp, c'est tout le temps intégral. Le son est tout le temps bon en show. Blackie Lawless a tout le temps une bonne voix en show. Ben, Lizzie Borden, c'est la même affaire. Le son, il est excellent. C'est ultra professionnel. Puis chanteur, Lizzie Borden a toujours une superbe voix. Si vous pouvez voir Lizzie Borden une fois dans leur show à eux autres, là, pas comme en première partie ou quand dans un festival où est-ce qu'ils jouent tôt dans la journée, là, mais leur show principal, quand ils sont dans le line-up principal, je vous conseille de regarder Lizzie Borden, c'est vraiment bon, puis ils donnent un spectacle. Donc on y va. My Midnight Thing, Lizzie Borden. We'll be right back.
vous aimez cette chanson-là, si vous aimez ce style de son-là, ben dites-vous que c'est du Lizzy Borden, puis du premier album, de la première chanson de Lizzy Borden, jusqu'au dernier album, à la dernière chanson de Lizzy Borden, c'est du hard rock, du heavy metal traditionnel de qualité comme ça. C'est excellent, excellente qualité, encore une très bonne facture. Puis cette voix-là, c'est la voix de Lizzy Borden. Fait que même la première chanson de Lizzy Borden, Love You to Pieces, ben sur Love You to Pieces, eh bien, ça sonne de même. Ils n'ont pas changé. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont là, puis ils n'ont pas changé. Mais en même temps, il y a une certaine évolution. Le son est plus moderne. Mais c'est excellent. Lizzy Borden a toujours joué des personnages, a toujours été du maquillage, des masques, jusqu'à un certain point. C'est peut-être un petit peu ça aussi qui a. Je ne sais pas si ça a ralenti la popularité, parce que le groupe n'a jamais vraiment percé. Mais en même temps, c'est peut-être ça aussi, là, c'est parce que c'était vraiment gros là, comme costume, là, tu sais, c'était vraiment là, c'était spécial, là. Fait que tu sais, peut-être que jusqu'à un certain point, ces costumes, c'était quasiment ridicule, là, tu sais. Mais c'est. Moi j'aimais ça. Tu sais, c'était le côté kitsch, le côté un peu quétaine, très, très exagéré, là. Moi j'aimais beaucoup ça. Là, je suis en train de me demander, par exemple, si c'est pas une toune qui est tirée d'un film. Je suis en train de me demander ça, là. Je sais pas en tout, là, mais. Il me semble que ça ressemble quasiment à, il y a des scènes qui semblent être tirées d'un film, je suis pas sûr là. C'est vraiment là, je dis ça là, sans le savoir. Just love you, God.
Vraiment excellent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'est pas du gros death metal ou du new metal ou de l'industrial metal ou une genre de sous-catégorie qui est apparue là, ces 10, 15 puis 20 dernières années. Mais c'est du bon metal hard rock traditionnel. Puis Lizzy Borden, comme à l'habitude, livre la marchandise. C'est si la personne, puis le fan de Lizzy Borden ne sera jamais déçu, parce que dans le fond, comme je vous disais au début, du premier album jusqu'au dernier album, eh bien, du premier album au dernier album, eh bien, c'est à peu près le même style musical, c'est à peu près le même style de son. Il n'y a pas eu de gros changements. Donc, c'est ça qui fait que, oui, il y a une petite évolution dans le son, mais pas nécessairement beaucoup. Je m'excuse, hein, parce que là, tantôt, j'ai flatté mon chat, puis là, j'ai comme des poils dans le nez là, quand j'ai parti ma caméra. Donc, c'est ça. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.